Méditation pour la flamme violette. Détendez-vous, alignez-vous et mettez-vous en résonance avec votre respiration. Écoutez votre respiration comme elle entre et sort de votre corps, comme un flux. Nous allons emmener chacun de vous individuellement dans son propre sanctuaire intérieur. J'aimerais que vous vous imaginiez en train de marcher, d'approcher une pyramide qui soit assez grande pour y entrer et y habiter confortablement. C'est une pyramide individuelle juste pour vous. Tandis que vous approchez, vous voyez les pierres. Elles sont parfaitement ajustées l'une à l'autre, géométriquement parfaites. Et vous pouvez vous tenir là, devant la porte de la pyramide, une porte qui est assez grande pour que vous entriez. Et s'il y a des inscriptions au-dessus de la porte, vous pouvez les lire. Quoi que vous voyez, visualisiez là où vous êtes, par vous-même, c'est votre sanctuaire intérieur. Donc, vous entrez et vous trouvez au centre de la pyramide un sol magnifique, un beau siège, quelque chose de parfaitement confortable pour vous y asseoir en méditation. À l'intérieur de la pyramide, c'est très tranquille. Aucune vibration extérieure ne pénètre. Vous êtes complètement isolé des vibrations extérieures, de la réalité de la troisième dimension et de toutes ses manifestations. Une lumière diffuse d'en haut et filtre d'en haut. Soyez là simplement et méditez dans cette structure. C'est votre sanctuaire. Vous trouverez plus de calme, plus de paix dans cet espace. Les seules énergies à l'intérieur de cette pyramide sont vos propres énergies. Donc, en contrôlant toute vibration, excepté les vibrations du soin intérieur et de la respiration, dans votre méditation, vous pouvez commencer à éprouver la sensation du soi supérieur. Vous pouvez commencer à voir la lumière de votre soi supérieur, car on ouvre votre troisième œil, on ouvre votre chakra coronal. Et la lumière circule librement à travers lui. Il est possible que vous puissiez, si vous êtes suffisamment calme et en résonance, entendre l'énergie de la lumière, la musique des sphères. Vous pouvez peut-être entendre un son au timbre élevé, un nombre quelconque de tonalités, c'est le son que produit votre soi supérieur, Dieu. C'est le son que produisent les atomes et les molécules, les planètes et les galaxies dans leur mouvement. Si vous souhaitez entendre cette musique, vous pouvez couvrir un petit peu vos oreilles. Il y a un os ou un cartilage situé en dehors de l'orifice de votre oreille. Une sorte de clapet. Si vous voulez, vous pouvez vous boucher les oreilles en appuyant dessus vers l'intérieur. Maintenant, vous savez à quoi sert ce petit appendice étrange.
Donc, vous vivez le calme et la présence de votre soi supérieur au sein de votre pyramide sanctuaire. Prenez tout votre temps. Vous êtes en méditation. Et maintenant, j'aimerais que chacun de vous appelle à lui la présence de son corps de lumière. Et nous aiderons à les faire descendre et à vous faire monter pour vous rejoindre. Si vous vous sentez dérivé dans la méditation, revenez simplement à votre respiration. Profitez des bienfaits de cette expérience, que vous la visualisiez ou que vous la ressentiez. Certains d'entre vous sont doués pour visualiser. D'autres sont doués pour entendre. D'autres encore sont doués pour ressentir. Ainsi, il y a un sentiment de Dieu, une manière de voir Dieu et une manière d'entendre Dieu qui s'adapte à chacune de vos aptitudes individuelles. Alors, maintenant, j'aimerais que vous imaginiez une autre pyramide. Une pyramide de lumière au-dessus de votre pyramide sanctuaire. De la même dimension, de la même taille et de la même forme que votre pyramide. Elle descend lentement. Lentement, lentement. Jusqu'à ce qu'elle fusionne avec votre pyramide, occupant le même espace, activant votre pyramide, activant votre expérience. Votre corps de lumière vous entoure maintenant. Certains d'entre vous en auront une expérience profonde. Certains ne seront pas tout à fait aussi conscients. Soyez assurés qu'il se manifeste pour chacun de vous, quel que soit votre jugement sur l'expérience. Laissez tomber votre jugement. Et soyez simplement le corps de lumière que vous êtes. Il se superpose à vous. Il fusionne avec vous et active la transformation. À votre expérience présente, vous pouvez rester en méditation. Vous n'avez pas besoin d'arrêter. Si vous faites l'expérience de la béatitude de la lumière autour de vous,